Salut les footix, aujourd'hui vidéo exceptionnelle. On se retrouve au stade Vélodrome, regardez, pour disputer un match caritatif avec l'équipe du All-Star, dans laquelle vous retrouverez des youtubeurs que vous connaissez certainement et d'autres personnalités. Ça va être chaud, je pense que ça va être un grand moment. Je suis super excitée d'y participer. On va affronter le Vinsky FC et on verra sur les terrains qui seront les meilleurs. Le stade Vélodrome, appelé Orange Vélodrome depuis 2007, est un stade emblématique. C'est le deuxième stade après le Stade de France, avec une capacité de 67 000 places. Je sais que les supporters marseillais qui me regardent comprennent l'émotion que ça peut procurer d'entrer et de jouer sur un terrain tel que celui de l'Orange Vélodrome. Zenji, à droite, à gauche. Les équipes, quand elles jouent bien, ça au milieu, donc ça c'est la coupe que vous voyez uniquement sur FIFA. Anniversaire aujourd'hui. Continuez, venez. Ça c'est les trophées, les mecs. Trophées, donc c'est des coupes. Généralement, on les prend comme ça et on les soulève. Allez, oh. Il se met où le coach? Bousquet Frédéric. Note-le qu'il n'est pas là. Bousquet Frédéric, Bousquet, mon pote, tu vas pas commencer, c'est parce que tu es champion d'Europe ou champion d'Olympique. Que là, c'est parti, hein. Donc, Bousquet Frédéric, numéro 9, tiens. Eh, bah, je voulais. Les gars, concentrez-vous, on les met les chaussettes jusqu'au genou là. On les monte là minimum, mi-cuisse. Ben Younes, Amia. Oui. Le 2. Le 2. Le 2, ça caille. Bengouz Benjamin, le numéro 13. Devant toi. Bon, évidemment, vu que je suis la seule fille, moi j'ai pas le droit à des vestiaires mais à des toilettes pour me changer. Côté intimité, pas le choix. Je vais rejoindre les autres tout de suite dans les vestiaires, c'est parti, on a le stress qui monte. En conférence de presse là, on va dire ce que ça va donner. Hein. Tu es comment toi? Moi je le sens bien, j'ai confiance. Je suis le numéro 2. Comme Hiroki. Comme Hiroki. Non, ça va bien se passer, mais je déteste perdre dans tout ça. Nous aussi, hein. Conférence d'avant-match par le coach. C'est parti. Non rigolamos más. C'est-à-dire qu'il rigole pas avec vous là. Vous avez compris ou pas? Montrez de quoi vous êtes capable. Bon, j'espère qu'on est là pour quand même pour se régaler. Il y a mon adjoint qui va nous toucher quand même deux mots. Están aquí amigos para jugar al fútbol. No más palabras. Están aquí para matar el culo de esta. Vous avez compris ou fait la traduction? Je pense que tout le monde a compris. Je pense que c'est ça. Tenemos youtubers qui ne peuvent pas jouer au football, donc peut-être on va voir. Belgique, on a un très bon potentiel, on a des joueurs. On verra prochainement comment ça va se passer, quoi. Mais on espère rester vaincu dans notre stade de l'Odron et puis chez nous, quoi. Coach, adjoint coach, comment on les défonce en fait? C'est ça la question. Todas los jugadores están aquí son nulas, 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 nulas. Están los mejores. Tenemos los Mino del Olímpico de Marsella, el único Olímpico que tiene Francia. Là, on est dans les coulisses du stade Vélodrome. On est en train de se diriger dans l'antre. Exactement. J'ai cherché le mot. C'est l'antre. Non, ça c'est les journalistes, les professionnels, les journalistes. Là, on arrive dans le côté un petit peu. Bon, venez, vous allez voir. Voilà, là, on est au niveau 0 du stade Vélodrome. C'est par là qu'accèdent, j'allais dire, les supporters, hein, lambda. Et puis là, on se dirige carrément vers la tribune présidentielle. Ah ouais. Regardez, ça blague pas du tout. Ah ouais. Où Emmanuel Macron aime venir kiffer la vie, quoi. Avec sa meuf, tout ça, des copains ministres. Ça se met bien ici. Ils se mettent bien. Ah ouais. Finalement, on est pas monté sur. Et là, attention. Bengouz, j'ai besoin de toi, là. Là, j'ai l'attention qu'il est en train de monter, tu vois. J'y suis, le grand stade Vélodrome. Franchement, la vérité, il est magnifique. Il est vraiment très beau.
Les footies, je suis avec Vin Sky ici à côté de moi. C'est lui qui est à l'origine de l'événement. Vin Sky, tu peux nous en dire un peu plus, expliquer un peu aux gens pourquoi tu as voulu faire ça? Ouais, alors en fait, quand je suis allé à la Coupe du Monde l'année dernière du coup, pour aller voir l'équipe de France, j'ai rencontré Orange en fait, qui m'avait invité à des matchs. Je leur ai parlé de vouloir faire un match dans un grand stade un jour dans ma vie, le Vin Sky FC. Mais ils ont dit, bah tu sais quoi, on a l'Orange Vélodrome. Donc après, bon voilà. Au niveau du grand stade, t'as pas rigolé, hein, parce que là, on est vraiment. C'est impressionnant. Et là, le fait d'être dedans, c'est impressionnant de se dire qu'on va être sur la pelouse dans quelques heures. Ça va vraiment être fou. Donc voilà, et donc en gros, le match, c'est face à l'équipe, bah du coup, ton équipe qui va être l'équipe. On va essayer de représenter, nous. De All-Star. Et aussi, c'est des trucs très importants. Donc le match va être rediffusé en live. Tous les revenus générés par le live, la rediffusion, etc., seront reversés à une association qui s'appelle César Enfance sans cancer. C'est, du coup, César, c'est un petit que j'avais rencontré malheureusement avant qu'il décède de son cancer. Et en fait, son père a créé une asso. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une histoire c'est un peu la boucle qui peut se boucler aujourd'hui. Donc voilà, pour moi, donc, c'était vraiment. Match avec de l'émotion, match à un jeu, match caritatif. En fait, que des. Vraiment une belle rencontre et vraiment une belle initiative de ta part. C'est ça. Bah, merci beaucoup, Vin Sky. Merci, bon match. Bon match et puis, à toi. Que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Alors là, on est en train de regarder les petits jouets, je crois que c'est les moins de 10. Ils sont en train de gérer de ouf, ça nous met une pression, parce que j'imagine que quand on sera sur le terrain, hey, la vérité, ils sont énormes, ils construisent leurs actions comme des fous. Les gars, un niveau technique probablement supérieur au nôtre, et pourtant ils font 1 mètre d'eau. J'irai même pas sur le probablement, ils ont un niveau technique supérieur au nôtre. J'avais prévenu de toute façon que là, c'est la Ligue des Champions des Jeunes, c'est la future génération, on le sait peut-être pas, mais là il y a des pépites. Bah franchement ça se voit, moi j'en ai repéré 2-3 déjà, t'avais vu ce qu'il a mis tout à l'heure. Mais je me ronge les ongles pour toi ton avis, parce que j'ai vu le niveau de notre équipe. Oh putain, ça va être chaud les mecs hein. Ah papa. Comment tu te sens avant le match là? Franchement, le kiff. On est trop calme là, ça me fait peur. Non, en fait je vais t'expliquer, on est calme parce que quand t'aimes le foot, quand t'as grandi avec le foot, peu importe ton niveau de jeu, t'es déjà ultra content d'être là, tu saisis la chance que t'as. Et puis juste, tu vas fouler la pelouse, juste, tu vas poser tes pieds dessus. Tu sais, je sais pas, t'auras des sensations incroyables. Et puis après le match va démarrer. Et voilà, mais c'est que du kiff et faire ça entre petit nous. Pronostic quand même. Petit pronostic. Bah oui, 8-0 pour nous. Quelle question. C'est généreux. C'est ça l'esprit d'équipe, c'est ce que j'aime. C'est ça. Robin Good, tu nous parles un peu de ton vélodrome. Décris-le-moi en deux mots, le stade. Je ne peux pas te le décrire en un mot parce qu'il n'y en a qu'un seul de moi à dire en fait. Mais non, il est extraordinaire. Il est unique. Franchement, je te confirme, c'est la première fois que je viens et j'avoue qu'il est magnifique. Il est vraiment magnifique, c'est une belle structure. J'avais choqué, jamais vu. Choqué. Et encore là, il est vide. Hein. Et encore là, il est vide, bien sûr. J'imagine quand ça résonne. Mais je peux te garantir que 65 000 places, il fait. Quand il y a un match, les OM-PSG, les grands matchs, les grands affiches. Je peux te dire que si j'ai sensible des oreilles, pour mettre des boules casse. Voilà. C'est quoi ton meilleur souvenir ici? Je sais qu'on a plein, mais on va dire le truc vraiment où t'as... Dans le nouveau stade, tu parles ou dans l'ancien? Dans celui-là, de stade? Dans celui-là. Mon plus beau souvenir, c'est le fameux OM-PSG 2014 avec Bielsa. Avec le fameux tifo qui a fait tout le stade. C'était extraordinaire. Bon, malheureusement, on a perdu le match 3-2. On a gagné 2-1 à la mi-temps. Et bon, voilà, c'est les allées du football. Hein. Mais c'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Un qui mange ses ongles depuis tout à l'heure. Ouais, moi, je suis pressé d'aller sur le terrain et jouer. Ah ouais, j'ai envie de jouer, en fait. Tous les dimanches matin, il faut savoir que je vais jouer au foot. Là, c'est particulier parce qu'on est au stade Vélodrome, donc là, c'est... Franchement, pour jouer un match le dimanche, là, c'est la classe. Hein. Il manque plus qu'un ballon et qu'on commence. Terminé. Abdou, Abdou. C'est là. Abdou, Abdou. Abdou, main contrôle, s'il te plaît. Merci, Abdou. Continue. Okay. Alors, t'essaies quand même. Abdou, on va se voir 5 minutes après. Alors, tu es où? Contrôle, frère. Oh. All right. Hey, excellent. Pas mal. Ah bon? Tu veux? Ballon délicat. Bien négocié. Oh là là, il est sur moi. Arthur, c'est tout de suite. Voilà, le respect. J'ai pas tout de suite. Non, ça va, c'est une nouvelle basket.
concentrer parce qu'à côté ça fait du vélo, de la muscu, de la natation. On s'en fout, on n'est pas des cyclistes, nous. Ah, tiens, le numéro de Sakai, hein, n'oublie pas. Ouais. Il y a du niveau, hein. Il y a un niveau qui, ah, oui, ma Martin, foi, oui, non, je vais parler de Martin, là. Pas négligeable, avec une équipe au complet. Regardez, contrôle. Oh là 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 là. Mais là, on est ensemble, c'est-à-dire que c'est un groupe, on est tous unis, tous ensemble, hein. Donc on est là pour se donner la force, on est là pour se régaler. Bon, je vous le dis carrément, si on perd, on fait une tête en tête, hein, tous ensemble. je vous prends tous dans le vestiaire, je vous fais une tête en tête avec tout le monde. Footix, hein, vous pouvez aller suivre sur tous les réseaux. Ouais. Ici, on est où, les gars? À Marseille. Mais putain, on n'entend rien. C'est ça ce qu'il attendait, les mecs. On recommence. On va le faire doucement. Mais si, on est où ici? À Marseille. Non, mais attendez, c'était une dictée ou quoi? À Marseille. À Marseille. Bon match à tous, les gars. Et qu'on gagne, il n'y a pas que le meilleur gagne. C'est nous qu'on va gagner, d'accord? Allez, 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 allez. C'est parti, direction le match. On est comment, les gars, là? Là, on est en panique. Ça y est, là. Comment ils sont, hein? Comment ils sont, là? Regarde. On est des cyborgs. Ah ouais. On a Real Madrid en face de nous, regarde. Ah, ils sont pas venus pour rigoler. Voilà les adversaires du jour, la team Vin Sky. La Vin Sky FC, les mecs. La 3 comme Vin Sky FC. 1, 2, 3, comme Vin Sky FC. On a les coachs les plus chauds du monde. Hamza et Ben Gousse. On est au-dessus ou pas? 1, 2, 3, allez vous balader. Ça y est, la pression monte là. C'est le kiff. En fait, je suis calme parce que c'est un truc de malade qu'on va vivre. Je te jure, c'est un truc de ouf. Comment tu te sens, toi? Ça va, un peu la pression. Ouais. Déjà, je me suis pas échauffé, donc je me sens pas encore. Ah non, mais ça pue le claquage. Bon, faut savoir que moi, je vais pas commencer le match. Toi non plus? Non, je commence pas. Les gars, on est où ici? À Marseille. On est où ici? À Marseille. Allez, allez, c'est allez, parti, allez. L'entrée sur le terrain. Dans 10 minutes, on va jouer, on va rentrer sur la pelouse. J'avoue, je commence à avoir la pression. J'espère qu'on va gérer, j'espère qu'on va faire honneur au foot. Voilà, il y a Daniel qui est ici, qui sera notre commentatrice de bord de terrain. Bonjour, c'est Daniel là, qui est là. Là. Et bonne fête à toutes les mamans, Daniel. Et là, je lui fais un gros bisou. Daniel, tu vas nous soutenir. Ah oui, je vais vous soutenir. En plus, je suis la seule fille. Je compte sur toi. Les trois. Tu vas jouer? Je commente. Ah, mais à jouer, moi, sur le terrain. Non, à jouer, t'es toute seule. Ouais. Tu joues sur... Mais oui. Avec qui? Avec Arthur. Avec Arthur. Alors, allez-y. Hein. Oh, la patate à tout le monde. Allez, on va aller. Allez, on est chaud. C'est parti. Je sais pas si tu te rends compte qu'on est assis là où s'assoit. Sérieusement. Florian Thauvin quand il est sur le banc. Balotelli quand il chauffe. Et il y a notre team qui rentre là, allez. Le coup d'envoi est donné par la All-Star Orange. Ce qui devait arriver arriva. Premier but. But de la team Vin Sky FC. Bon, on aura tenu 5 minutes. C'est ça, mais il reste du temps, tout est encore possible. En plus, on n'est pas rentré. On va rentrer les jokers tout à l'heure. Ouais, Sébastien. Il a l'air interminable. Comment c'était? Ouais, facile. C'est un peu facile, donc on les a laissés marquer d'entrée de jeu. Ouais, histoire de mettre un peu de suspense. Voilà, vous avez pas vu comment on maîtrisait le ballon et tout, je les ai vus, ils étaient pas bien dans leur tête. Donc j'ai dit à l'équipe, tranquille. Après, on se met mieux. Voilà. Après, c'est un festival. Samia qui se prépare, seule femme, et bien sur le terrain aujourd'hui, elle fait son apparition. Samia, le footiste.
je suis, mais j'ai fait le terrain de long en large. C'est la première fois que je joue sur un terrain aussi grand, c'est physique. Et du coup, je comprends les joueurs. Maintenant, je me mets un peu plus à leur place. Mais franchement, je suis trop contente de participer à ça. Je suis avec des coéquipiers que masculins. Je suis la seule fille. Mais en tout cas, tout le monde est super gentil avec moi. Ils m'ont même fait des passes. Donc, je me suis pas sentie mise à l'écart. Et j'y crois parce que franchement, les autres, on sait que c'est des pros. Ils sont en fin de tournoi. Nous, à côté, on est une petite équipe. Voilà, comme ça, on se connaît pas tous, mais on essaie de jouer ensemble. Et à mon avis, on peut quand même marquer. Voilà. Je pensais qu'on allait se prendre un 5-0 à la mi-temps et que ça serait perdu, mais en fait là, tout l'espoir est permis. On est là et on va se défendre jusqu'au bout et on va y aller. Exactement. Merci Samir. Les gars, on perd 1-0. Hein, on a une occasion, c'est frère. C'est assez médiocre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi rentrer aussi les minots parce que j'ai pas envie de perdre. Ah oui, vas-y, voilà. Vas-y. Je vais faire kiffer tout le monde, les gars, aussi, parce que c'est l'essentiel, c'est que tout le monde se régale. Hein, mais j'ai pas envie de perdre ce match. Donc je m'adresse à tout le monde. Donnez-vous le maximum. Il faut leur montrer qu'on est chez nous. Hein. Écoute, s'il y a que 1-0 en plus, il y a que 1-0. C'est rien. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Allez, tout le monde, le contact. Julien, comment ça a été cette première mi-temps? Bah franchement, je trouve qu'on s'en est très bien sortis, puisque quand même, c'est ils ont l'habitude mal, hein, de jouer ensemble tout le temps, c'est des athlètes de haut niveau, alors que nous, on carbure à l'eau. Ouais. Et pourtant, 1-0 seulement, avec un pénalty absolument non sifflé. Franchement, c'est une honte. On si vous avez regardé le live, je pense que vous étiez comme nous. On se fait voler le on match. On s'est fait voler, là. Le 18, viens. On est toujours en train de mener, il y a le coach qui va rentrer sur le terrain, là. Rien ne va plus. Oui. Bravo frère. La victoire elle est là. Elle est magnifique. Là, elle est belle, 3-1. Oh là là. Magnifique. Et on l'a pas démérité. Ah, c'est venu, bien joué. Bien joué. Bien joué, respect. C'est une victoire pour le All-Star incroyable. 3-1 les gars, franchement on n'y croyait pas mais on l'a fait. Expérience incroyable. Franchement j'aurais jamais imaginé de ma vie jouer au Vélodrome. Franchement c'était hallucinant. Bon, j'ai pas été la meilleure joueuse du match, hein, c'est sûr, mais déjà ça, c'était incroyable. Je tiens à remercier particulièrement le Vinsky FC et Vinsky pour nous avoir fait vivre ça. Un énorme merci à l'association César et un merci à l'Orange Vélodrome, c'était magique. On part sur une victoire et vraiment merci, j'espère que vous allez aimer cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous en avez pensé et moi je vous retrouve très vite. Salut à tous.